J'ai voyagé avec ma famille à Chypre. Là-bas, la plage est magnifique. J'ai visité des sites touristiques comme l'église de Saint-Lazare. Finalement, on est arrivé à Paris. Youpi! On va prendre un succulent chocolat chaud avec un délicieux croissant. Ah, la fameuse Mona Lisa. Tu sais, maman, c'est un tableau de l'artiste Léonard da Vinci. Où ça? Trop excité! Waouh! Cet endroit est merveilleux! Oh non! C'était juste un rêve! Ni hao! Ça veut dire bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un pays que j'aimerais visiter quand je grandirai. C'est la Chine. Le cerf-volant a été inventé il y a plus de 2000 ans. Les Chinois l'utilisent pour envoyer des messages secrets et pour effrayer leurs ennemis. Seisei, ça veut dire merci. Tu sais, mamie, Ottawa, la capitale du Canada, est connue par sa belle nature. L'automne est merveilleux avec les belles couleurs des érables qui sont le symbole du Canada. Je te laisse maintenant, grand-mère. Grand bisous. J'aimerais aller en France. Il y a un Disney Park que j'aimerais visiter. Peut-être que les manèges là-bas sont aussi géniales. Je pourrais peut-être avoir le tournis. Mais j'aimerais y aller. Je resterai en France pour voir la tour Eiffel qui est montée les 1660 marches à peu près. Et ensuite, je partirai manger des croissants au fromage fondu. Espérons qu'ils ont les croissants que j'aime. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Quelle fille n'a pas rêvé d'être une princesse? Un jour, mon rêve va se réaliser et je vais visiter Disneyland à Paris, d'endroits féeriques où je vais rencontrer Elsa, Anna et Blanche-Neige. Qui sait? Peut-être je vais rencontrer mon héros, mon prince charmant. À Disneyland, tout est possible. Pour mon prochain voyage, j'aimerais aller aux États-Unis. Je découvrirai ses gratte-ciels, Central Park et sa mythique statue de la liberté. USA, here I come!